Le démon écarlate de la guerre. Ce n'est pas tout le monde qui peut se targuer d'avoir un surnom aussi épique. Eh bien, c'est celui du samouraï dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai nommé Sanada Yukimura. Sanada Yukimura ne s'appelait d'ailleurs pas véritablement Yukimura, mais plutôt Nobushige. J'ai mis Yukimura dans la description de la vidéo parce que c'est sous ce nom que le connaissent la plupart des gens. Mais dorénavant, dans la vidéo, nous l'appellerons Sanada Nobushige. Le père de Nobushige est Sanada Masayuki. Le clan Sanada est à l'origine vassal du clan Takeda. Lors de la bataille de Nagashino en 1575, durant laquelle le clan Takeda subit une défaite décisive face aux forces combinées de Oda Nobunaga et Tokugawa Ieyasu, les deux plus vieux frères de Masayuki perdent la vie. Le clan passe donc sous son contrôle, mais il doit jurer fidélité à Oda Nobunaga en avril 1582, lors de la chute définitive du clan Takeda. Le 21 juin 1582 survient l'incident du Honnoji qui voit la mort de Nobunaga. Après un moment de flottement, durant lequel le clan reste partiellement indépendant grâce aux manœuvres de Masayuki, Toyotomi Hideyoshi finit par vassaliser le clan Sanada. Hideyoshi semble avoir une grande affection pour Sanada Nobushige, qui le servira avec fidélité jusqu'à sa fin. En 1592, Toyotomi Hideyoshi a unifié le Japon. Mais il se retrouve avec un grand nombre de troupes réduites à l'inactivité. Ceci, couplé à ses désirs de conquête, le pousse à envahir la Corée. En 1592, une première fois, puis une deuxième fois en 1597. Ces deux tentatives, durant lesquelles a d'ailleurs servi Sanada Nobushige, ont des conséquences néfastes. Elles fragilisent l'influence du clan Toyotomi et causent sur le terrain des tensions entre les daimyo qui commandent les troupes. Le 18 septembre 1598, Toyotomi Hideyoshi meurt. Son fils Hideyori n'étant âgé que de 5 ans, il confie les rênes du pays à 5 régents, ses grands conseillers, en attendant que son fils atteigne l'âge adulte. Il ne faut pas longtemps pour que les conflits d'ego et les tensions passées ne renaissent. La guerre éclate de nouveau, savamment préparée par Tokugawa Ieyasu. Celui-ci instrumentalise la haine de certains daimyo envers l'un des 5 régents, Ishida Mitsunari, et les rallie pour faire marcher son armée sur ses rivaux. Sanada Masayuki et son fils Nobushige rejoignent l'armée de l'Ouest, celle d'Ishida Mitsunari. Néanmoins, le frère aîné de Nobushige, Nobuyuki, rejoint l'armée de l'Est, celle de Tokugawa Ieyasu. Cette décision fut prise d'un commun accord avec tout le clan, pour permettre à ce dernier de perdurer dans tous les cas de figure. L'armée de l'Est est divisée en deux parties. La plus importante, menée par Tokugawa Hidetada, fils de Tokugawa Ieyasu, compte prendre le château d'Ueda où sont retranchés Nobushige et son père Masayuki. À 40 000 assiégeants contre 2 000 assiégés, Hidetada pensait pouvoir prendre le château et rejoindre son père à temps pour la bataille de Shekigahara. Mais Sanada Nobushige et Masayuki mènent une défense brillante et parviennent à repousser ses assaillants assez longtemps pour que la principale armée Tokugawa ne puisse jamais se joindre à la bataille. Cette erreur stratégique de la part de Hidetada aurait pu entraîner une défaite pour son clan sur les champs de bataille de Shekigahara. Mais il n'en fut rien. Tokugawa Ieyasu, grâce à son génie militaire et des complots bien menés, parvient à infliger à la coalition Toyotomi une cinglante défaite. Ce sont les faits d'armes de Sanada Nobuyuki en faveur de l'armée de l'Est qui permettent de sauver la vie de son père et de son jeune frère. Au final, Tokugawa Ieyasu décide de ne pas les exécuter, mais les exile à Kudoyama, dans la province de Ki. Masayuki y mourra un peu plus tard. Malgré sa défaite à Shekigahara, le clan Toyotomi n'est pas encore fini. Toyotomi Hideyori est maintenant un jeune homme qui apparaît comme une menace pour les Tokugawa. Sa famille est riche, certains daimyo sont encore fidèles à la mémoire de son père, et son caractère fort, semblable à celui de Hideyoshi, s'affirme de plus en plus avec l'âge. En 1603, Tokugawa Ieyasu est proclamé shogun du Japon, ce qui force les autres daimyo à lui obéir. Pour apaiser les Toyotomi et leurs alliés, il arrange un mariage entre Hideyori et sa petite-fille. L'accalmie ne dure qu'un temps, et diverses provocations d'un côté comme de l'autre ravivent les braises. En 1614, sentant la guerre poindre,
de nombreux Ronins se présentent à Osaka pour servir le clan Toyotomi contre le clan Tokugawa. Sanada Nobushige est de ceux-ci. Parce que Tokugawa Ieyasu est un farouche oppresseur des chrétiens, Akashi Teruzumi, un samouraï émérite converti au christianisme et vaincu à Shekigara, rejoint Osaka. Quittant Kyushu avec quelques-uns de ses fidèles, il recrute sur la route un nombre considérable de chrétiens qui viennent grossir les rangs des forces Toyotomi. Chose encore plus remarquable, ils arborent des bannières frappées de croix christiques. Durant l'hiver 1614, Tokugawa Ieyasu mène une armée comptant entre 180 000 et 300 000 hommes selon les sources vers le château d'Osaka. Il installe son camp devant la partie sud, la moins bien protégée de cette véritable forteresse. Il trouve cependant devant lui une barbacane, construite et défendue par Sanada Nobushige. À partir du 2 décembre, Tokugawa Ieyasu bombarde Osaka continuellement avec ses canons, mais chacun de ses assauts est repoussé par les contre-attaques féroces de Nobushige et les 5000 hommes de sa barbacane. Après quelques semaines de ce régime, Tokugawa Ieyasu propose une armistice. Elle est signée par Hideyori, sous l'influence de sa mère et contre l'avis de ses généraux. Une fois de plus, Tokugawa Ieyasu atteint ses objectifs. Certes, il n'a pas pris le château, mais il a prévu dans les clauses de l'armistice la démolition des douves et des murailles extérieures du château, ce qui renforce sa position à long terme. En avril 1615, le shogunat apprend que le clan Toyotomi essaye d'une part de stopper la démolition des défenses du château et d'autre part continue de recruter des ronins. Avant que les armées du shogun ne puissent se recomposer, les partisans des Toyotomi lancent des attaques contre les alliés de Tokugawa avec un succès plus que mitigé. Les deux armées se rencontrent finalement le 3 juin dans un lieu appelé Tennoji, au sud d'Osaka. L'armée Tokugawa, menée par Hidetada, compte 150 000 hommes contre 55 000 du clan Toyotomi. La colline Chozuyama, où s'établissent Sanada Nobushige et ses hommes, est rendue écarlate par leurs armures rouges. La bataille de Tennoji marque l'avènement total du shogunat Tokugawa. En effet, l'armée de l'Ouest se voit infliger une défaite décisive suite à la mort sur le champ de bataille de Sanada Nobushige. Au crépuscule, les troupes du shogun investissent le château d'Osaka et se livrent à de lourdes exactions. Toyotomi Hideyori et sa mère se font seppuku. Quant au fils d'Hideyori, alors âgé de 7 ans, il est plus tard décapité par les vainqueurs, annihilant ainsi le clan Toyotomi. Sanada Nobushige a laissé sa trace dans l'histoire du Japon comme l'un des plus grands adversaires de Tokugawa Ieyasu. Son ardeur au combat fut reconnue par nombre de ses pairs, comme Shimazu Tadatsune, de la campagne de Corée jusqu'à la bataille de Tennoji. Sa mort honorable sur le champ de bataille ajoute à sa respectabilité. Il est aujourd'hui présent dans de nombreuses œuvres, films, mangas, jeux vidéo, et y est toujours dépeint comme un guerrier redoutable et valeureux. Quant au clan lui-même, il continuera de perdurer comme prévu grâce au frère de Nobushige, Nobuyuki, un samouraï très estimé du shogunat, qui a d'ailleurs épousé l'une des filles adoptives de Tokugawa Ieyasu.